au niveau des quatre sections, effectivement, il y a eu une progression sportive. Donc là, ben, on a vu des récompenses aussi bien au niveau de la palme que du water polo, que de la synchro, que de la natation course avec notre entraîneur Lionel Moreau. Lionel Moreau, ancien nageur de haut niveau et entraîneur rodé de longue date aux compétitions internationales, est en train de métamorphoser l'équipe compétition d'Aix en compagnie de l'entraîneur adjoint Théo Verwerde. On a vu Hugo Meyer qui a été récompensé pour les palmes avec des titres de champion d'Europe. Le miracle vient de la qualité de l'entraîneur que nous avons à Aix-en-Provence. Je veux parler de cet incontournable Oleg Pudov que je vous demande d'applaudir en même temps, Hugo Meyer. Oui, Hugo a beaucoup travaillé cette saison. Il est dans l'équipe sous la présidence de Manolis et avec Oleg Pudov. Donc c'est vraiment une réussite d'équipe qui a permis justement cette récompense ce soir. Assia Belalib, ancienne nageuse de haut niveau, accomplit un excellent travail de formation dans le sillage des entraîneurs haut de gamme du club que sont Myriam Lignot et Alexia Mikolavich. Oui, c'est aussi une belle récompense pour cette nageuse qui est devenue entraîneur maintenant chez nous et qui fait progresser les filles à son tour. Donc c'est aussi beaucoup de satisfaction de voir les personnes du club progresser et faire progresser nos jeunes nageuses. Donc deux disciplines au niveau international, une discipline avec la course qui progresse et on espère le water polo avec la Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Équipe de l'année 2015. Le prix est revenu à l'équipe senior water polo du Pays d'Aix Natation. Oui, c'est une année riche parce que c'était une année de renouveau. Et c'était un pari, on ne savait pas vraiment, on se remet tout le temps en question. Donc je partais quand même malgré tout dans l'inconnu. Après 8 ans à la tête de l'équipe, j'avais décidé de partir sur une toute nouvelle orientation. Ça a été payant, on fait le meilleur résultat de l'histoire du club. Et la dynamique continue, on a été meilleur public, Oscar, MVP, meilleur joueur, voilà. Et une ambiance incroyable. Et on est sur une version 2016 qui pourrait même être bonifiée. L'année dernière, il a juste fini meilleur buteur de la Coupe de la Ligue, meilleur buteur du championnat et MVP du championnat pour sa première année dans le championnat de France. Donc on a réussi à le conserver. Déjà, rien que ça, c'était une épreuve. C'est juste un garçon extraordinaire d'humilité. Bon, ça fait plaisir. Moi, je voudrais remercier toute l'équipe de PAN, tous mes coéquipiers. Voilà. Et c'est tous les directifs, l'entraîneur, mes coéquipiers de l'année dernière, celui de cette année. Et voilà, merci.